Hi friends, here I will give you the first part of the cancer cure. First one, I think most important, is the metabolic treatment from Laurent Schwartz. It's a doctor from France and very famous in France. La première chose que je vais vous montrer, c'est bien sûr le traitement métabolique du docteur Laurent Schwartz. Il s'agit de l'alpha-lipoïque acide. Alors, celui-ci est accompagné du Garcinia Cambogia. First one is alpha-lipoic acid with Garcinia Cambogia. I take 3 of them each day. J'en prends 3 de chaque jour. Second things, potassium, 100 milligrams. Ok. Deuxième chose, le potassium, 100 grammes par jour. We always miss some potassium. On en manque toujours. Third things, the magnesium. The magnesium is always necessary and I'm always miss some. Okay, in French, in English. Okay, this is very important too. Okay, after I need the vitamin D3. 500 milligram. I don't know if it's milligram, EU, I don't know what is meaning. Alors, le magnésium, 5000 quelque chose, le IU, je ne sais pas ce que ça veut dire. Après, je vais dans l'autre. Ça, très important, pure artésimine. Prix Nobel, Madame Yu Yu, 2015, chinoise. Very important, artésimine. It's Nobel Prize, Mrs. Yu Yu from China. Very important things. After, I have the iron. The iron, it's very important for me because it's one mineral always we miss. I don't know if it's miss. Le fer, c'est très important d'en avoir et si on a une déficience, on a de l'anémie. Et souvent, bien sûr, en mangeant peu, eh ben, on risque d'en avoir. When we eat very few things, it help to have anemia. After that, E400. It's an antioxidant I like to have. Le E400, c'est un antioxydant et pour moi, ça semble bien marcher. Voilà, il y en a 400 IU. 400 IU. Vitamine K2, la vitamine K2, pour moi aussi, c'est très important, ça aide à fixer
la vitamine D3 que je prends en pilule, en plus du soleil. Vitamin K2 is very important to help to fix the D3 vitamin. I take with pills and I take also, of course, sun, vitamin from the sun. The vitamin B12 is very important for me, and not only for me, but for me, for other things, for my tremors. Alors, la vitamine B12 est très importante. J'ai oublié de dire que j'en prends 2000 mg. I take 2000 mg each day, four of them, quatre de cette boîte-là. Et c'est très important pour moi aussi pour diminuer les tremblements de ma main. Alors, la vitamine que personnellement je trouve la plus importante, c'est la vitamine C. Alors, celle-là, j'en prends 500 mg à peu près toutes les 2-3 heures, hélas, quand j'y pense. Alors, le corps ne peut pas en absorber plus que soi-disant 1000 mg, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas quand on fractionne cette dose. Et donc 500 mg toutes les 2-3 heures, ça me convient. J'ai lu des études où des gens prennent jusqu'à 15 grammes par jour et elles sont assimilées. Vitamine C, it's very important antioxidant and I take 1 500 mg each 2 or 3 hours, and it's very helpful because with this all the other antioxidant is more efficient, and this increase the immune system. Thank you. And the last of my very important things is the ashwagandha. This one is a different thing because it's a plant, but this one help in case of the cancer, because you know that the cancer can live with glucose or carb, but also with glutamine. And this one help to reduce the possibility of the cancer cells to use glutamine. Voilà, cette première série est terminée. Il y en aura deux autres qui vont suivre avec ce qui est, je ne peux pas dire moins important ou plus important. C'est le tout qui fait que je suis dans l'état où je suis. Alors, lequel est important, lequel est moins important, je ne sais pas trop. En plus, il y a plein d'autres choses que je fais. OK, this first part is finished. I think it's the most important, but I'm not sure because I cannot know which one is working and which one is less working. It's all complete TCC who work fine for me. And I have also more things. I will do another video of that, for that. Then it's the first one. You will have two more videos for the complement or the nutrient I take each day at 9 p.m. Je prends tous ces médicaments le soir à 9 h. Merci encore. Très bonne journée. Au revoir.